Pues la familia. Loco, papá. ¿Ya? Oh, Joël. Oh, canard. Ça y est, t'es de retour parmi nous. Ouais, sorti une semaine, là. Ça va, c'était pas trop dur. Bah, c'est le temps, tu connais, hein. Beaucoup de lecture, beaucoup de muscu. Mais t'as passé combien de temps au placard? Je fais 3 mois en tout. Ça va, pour un braquage, je m'en suis bien sorti. Mais t'avais pas tapé le sac d'une vieille? Hum? Mais c'était pendant le braquage. De toute façon, c'est fini pour moi, toute cette merde. Les bracos, le business, c'est fini. Je suis devenu musulman, alhamdoulilah. Mashallah, frère, ça fait plaisir. Mashallah, mais faut que tu trouves du travail, hein. C'est le meilleur moyen de te réinsérer. Ah, laisse tomber avec ma gueule, ils veulent pas de moi. Et puis c'est bon, travailler pour des Français. C'est fini l'esclavage. Il faut pas que tu vois les choses comme ça. Moi, je bosse pour une petite société de maçonnerie. Ils embauchent les jeunes en priorité. Si tu veux, t'es le bienvenu. Je sais pas trop. Je suis vachement occupé en ce moment. Faut que j'aille chercher ma fille à l'école, tout ça. De l'île. Bref, en tout cas, ça m'a fait plaisir de te voir. Tu passes à la mosquée vendredi? Inch'Allah, regarde, avec l'aide de Dieu, je serai présent. Putain, le cul qu'elle a, cette chienne, je la démonte sans pitié. Allez, salam alaikum, mon frère. C'est-à-dire que mon mari est parti au Cameroun. Depuis, on n'a plus de nouvelles. Je me retrouve seule avec les enfants, je n'ai plus de quoi payer l'appartement. Il travaillait, votre mari? Il était chef vigile dans un supermarché. Et vous, vous travaillez pas? Si, je fais le ménage à l'hôpital. Vous avez combien d'enfants? J'en ai 5. En plus de celui-là ou en tout? Je me dérange 2 minutes, Régis. Je vais juste te montrer le projet d'affiche pour les municipales. Hein? Ah, j'aime beaucoup. Hein? Et lui, c'est qui, là? Oui, c'est mon jardinier. Mais pour le côté diversité, j'ai pensé que c'était bien de le rajouter sur l'affiche. J'arrive même pas à prononcer son nom. Avec ma femme, on l'appelle Cacahuète. C'est pas mal, hein? Eh, parité, diversité. En plus, il y a un homo, on est bon. Pourquoi t'en connais des homos, toi? Ben, je déconne. T'as vu qu'il y a eu encore des véhicules incendiés au quartier d'Élysée, c'est vrai? Tant qu'on donnera raison aux délinquants plutôt qu'à la police. Oh, je te ferai une descente de flics là-dedans. Moi. Je commencerai par renvoyer chez eux tous ceux qui veulent pas être français. Hein. Madame est une habitante du quartier d'Élysée. Ah, ouais. Bonjour, madame. Ah, c'est un quartier tellement vivant, tellement de couleurs. Vous savez, moi, j'ai grandi à Belleville, c'est vous dire. Hein. Non, moi, j'adore sur un palier, quand même. Ça sent les épices. Ah, en tout cas, vous êtes entre de bonnes mains ici. Hein. Je suis sûr que mon Régis, il va vous trouver un beau petit appartement. Hein, mon Régis. Allez, je vous laisse travailler. Monsieur le maire. Bon, on a été où? Oui, madame Mouloumbi. Le mari, le Cameroun. Pourquoi vous n'avez pas suivi votre mari au Cameroun? Les enfants sont nés en France. Ils sont français. C'est toujours le problème. Vous qui êtes d'origine africaine... Je suis originaire de Normandie, madame. Je suis né à Caen. Et je peux pas vous octroyer de HLM tant que j'ai pas la preuve que votre mari ne reviendra pas. Si mon propriétaire me fait expulser, je risque de me retrouver dehors avec mes enfants. Ben, vous n'aurez qu'à rejoindre votre époux. Fait plus chaud au Cameroun. C'est bon, je viens d'aller chercher ma fille à l'école, j'ai oublié mon portefeuille. Monsieur, vous n'avez pas de titre de transport, alors c'est 40 euros tout de suite ou... Vous ne contrôlez pas parce que je suis noir. Ça n'a rien à voir, monsieur, on contrôle tout le monde. Bien sûr. T'as pas 40 euros, ma puce? Monsieur, je vais vous demander un papier d'identité. C'est bon, j'arrive. Et ta copine, elle a pas 40 euros? Non, monsieur, j'ai que l'argent de la cantine. Tu me les donnes? T'es bon, je te les rembourse, on va te la faire à l'envers, comment ça fait ta crevarde, là? De racisme! Mais vous savez, monsieur, j'ai connu la guerre. J'ai vu le vrai racisme. Ferme ta gueule, sale pute, je suis musulman, moi. Oh, ça va, hein? Hé, hey, écoute, moi aussi, je suis noir. Je te dis de fermer ta bouche maintenant, parce que c'est tout le noir du bus que t'affiches. Attends, mon frère. Non, il n'y a pas de mon frère. Vends ta fille en plus, t'as pas honte? Cousin. Tonton.
T'as le traite, quoi. Ton Dieu, Poutine. Merde. Non, non, dégage. Dégage. Dégage, pas d'argent, pas laver la vitre, oh. Dégage, allez, oh. Mais arrête, calme-toi, ça va pas, Régis. Mais dégage, bordel. Ça suffit, la mondicité agressive, dégage. Mais arrête, mais tu vois bien qu'il est handicapé. Il est pas handicapé, c'est des réseaux mafieux, tout ça. Ils ont des metteurs en scène qui leur apprennent à faire pitié. Écoute pas, ma chérie, papa dit des bêtises. Ah ouais? Parfois, il se mutile volontairement pour gagner plus. Les Albanais. À peine sorti de prison, tu crées déjà des problèmes. Mais j'avais pas un rond, maman. Tais-toi, mauvais fils. Gagne à son hiver. Tu vaux de l'argent de l'ami de ta fille. N'importe quoi, j'allais la rembourser. La rembourser? Tu allais la rembourser quand? Hein? Et comment? Sur le Coran, oula, la dîme, j'allais la rembourser. Ferme ta bouche! Pas de oula ici, tu entends? Hein? Tout le monde, n'est-ce comme Sénégalais, n'est-ce que musulman? Hein? Tu vois une vieille personne et maintenant les enfants. T'as pas honte de balancer? Ta fille n'a balancé personne. Elle t'aime trop pour ça. C'est la mère de sa copine qui a téléphoné pour dire que tu as racketté son enfant. Mon frère. Les blancs, dès la primaire, c'est déjà des petites balances. Mais ferme ta bouche! Tais-toi! Pas d'histoire comme ça sous mon toit, hein? Même après la prison, tu es toujours mauvais! Hein? Qu'est-ce que tu as? Ah, je maudis mon ventre! Mais qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait, Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Moi, Lili Kikedayan! Je te tuerai un jour. Prends tes affaires et quitte cette maison. Tu ne reviendras que quand tu auras un travail et de l'argent pour élever ta fille. Tu entends? Hein? Regarde-moi! Niama! Allô? C'est pour toi. C'était qui? Mon oncle, le frère de mon père. Je crois que tu n'avais jamais eu de contact avec ta famille antillaise. Qu'est-ce qu'il voulait? Va te prévenir, mon père est en train de mourir. Tiens, ma puce, passe-moi le fromage, s'il te plaît. Ton père? Mais. Tu m'avais dit que ton père était mort quand t'étais petit? De toute façon, il a jamais été là pour moi. La dernière fois que je l'ai vu, je devais avoir 8 ans. Comme s'il était mort. Tu m'apprends ça après 10 ans de vie commune. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Comment ça, qu'est-ce que je compte faire? Je vais pas aller à l'enterrement d'un étranger. Surtout aux Antilles. Tu vas pas aller à l'enterrement de ton père? Non, je vais pas aux Antilles. Même pas fait mon vaccin. Si tu vas y aller aux Antilles. Tu vas y aller parce que sinon c'est moi qui vais y aller pour me faire sauter par des grands plaques à casquettes qui disent du crack. Non, ça va pas, Corinne. Non, ça va pas. Tu vas y aller, tu vas bien réfléchir. Parce que moi j'en veux plus. J'en veux plus vivre avec toi, je te reconnais plus. C'est quoi tes grands blagues à casquettes qui disent du crack? C'est rien, ma chérie. Finis-t-on pour l'évêque. Attention, fils de pute! Oh! Oh! Régis? Joël? Non! Comment va, frangin? Tu vas voir papa? Ça va bien faire 20 ans qu'on s'est pas vu.
Grave. Attends, je vais t'aider. Non, c'est bon. C'est bon, ça va aller. Prends un taxi. Alors, qu'est-ce que tu deviens depuis le temps? Écoute, ça va super. J'ai une petite fille de 9 ans adorable, une femme magnifique. Je viens de monter mon cabinet de compta. En même temps, je suis conseiller municipal à la mairie de Chanteloup et je viens tout juste d'acheter mon pavillon sur les bords de Marne. Et toi? Pareil. Tout pareil. Petite fille, 9 ans. Et t'habites où? Pareil. J'ai acheté un pavillon. Pareil 6. Bord de Seine. Eh ben dis donc. C'est pas donné ces coins-là. Hein. Tu bosses dans quoi? Moi? J'ai monté une société. Aide aux personnes âgées. Tout ce qui est transport, aide à domicile. Tu as deviné où est from Isaac? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, laisse tomber, c'est des trucs d'ici. T'inquiète, je rembourse tout de suite. Ouais, ouais, c'est ça. Allez. Merde! J'aurais dû demander une note de frais, je l'aurais fait passer sur ma société. Régis? Joël? Je suis votre oncle, Jocelyn. C'est moi que vous avez eu au téléphone. Venez. Vous arrivez juste à temps. J'ai bien peur que ça soit la fin. C'est qui toutes ces meufs? Ce sont vos demi-sœurs. Votre père a beaucoup voyagé. Allons, dites bonjour à votre tante. Allez, Josiane. Seigneur Marie. Katia. Ça le reprend. Delphine. Joséphine. Qu'est-ce qu'il dit? Il voit sa vie défiler. Gladys. Bernard. Régis. Joël. Mes fils, vous êtes là. Mais aussi, vous êtes mes deux seuls garçons. Je sais que je n'ai pas toujours été là pour vous. Pas jamais, même. Je n'ai pas été un bon père, mais comme moi, vous portez le nom de Gros Désir. Et vos enfants s'appelleront Gros Désir. Et bien que j'ai commis des erreurs dans la vie, ce soir, je tiens à vous transmettre. Nous transmettre quoi, papa? Lucienne, je tiens à vous transmettre le trésor des Gros Désirs. Un trésor? Non, papa, pas maintenant, ne quitte pas tout de suite. Qu'on lui ramène de l'eau! Quel trésor? Quel trésor? Quel trésor? Fatoumata! C'est ça le trésor des Gros Désirs? Un bout de papier? Ce n'est pas un bout de papier. C'est l'acte officiel qui a affranchi vos ancêtres esclaves. C'est grâce à ce papier que vos aïeux ont pu parcourir le monde librement. Tu veux pas aller fumer ton truc ailleurs? Conservez-le bien. Votre père l'avait reçu lui-même de son père. Et vous le donnerez à vos enfants qui le transmettront à leurs enfants. Ainsi jamais la famille Gros Désir n'oubliera la souffrance de ses ancêtres. Je retourne veiller votre père. Oh!
Eh ben tant mieux. Pas d'héritage, pas de notaire. Plus vite je quitte les Antilles, plus vite j'entre en France. Attends. Peut-être qu'un document comme ça, ça se revend à un musée. Y a peut-être moyen de faire de l'oseille. Tu crois que ça valait quoi que ce soit, ça sera encore dans la famille. Le mieux, c'est de respecter le testament. Ta part d'héritage, mon frère. Maintenant, faudra pas oublier la part de nos sœurs. On est où, là? Oh! J'ai rien fait, maman! Ce qu'on fout, là? Ça doit être la bœuf, elle était super forte. On a fait un gros trip. Et voilà où ça nous mène, tes conneries! Rien qu'en respirant ta fumée, ça a dû m'intoxiquer. Si ça se trouve, on s'est fait violer à notre insu. Plus de réseau. Mais quel pays de merde! Cours! Quoi cours? Quand on est noir et qu'on voit deux noirs courir, on court, c'est une règle de survie! Mais je cours pas, j'ai rien fait moi! En fait, ce que tu veux, moi, je cours. Ils sont là-bas, deux grands noirs, torse nu avec un autoradio. C'est quoi ces malades? Ta gueule! Tu vois pas que c'est des flics en civil? Ah bon? Mais bien sûr, c'est des mecs de la BAC déguisés en clochard. Arrête de filmer, tu veux ruiner ma carrière à la mairie? Mais fais pas chier! C'est pour mettre sur internet, pour que le monde entier voit comment les noirs sont traités par la police. Monsieur l'agent! Monsieur l'agent! Je vous assure que moi j'ai rien fait. C'est lui qui a fumé de la drogue avec mon nom. Non mais un peu vengeur, le nègre! J'emmerde le nègre, espèce de putain! Je vais faire un rapport à Amnesty International, on va pas en rester là! Merci! Taisez-vous! Ou je vous coupe la langue! Qu'est-ce qu'on en fait? On va faire un tour par le marché. On devrait en tirer quelques pièces. On leur coupe pas les pieds? Pas avant de les vendre, imbécile! Vendre qui? Approchez, approchez, mesdames et messieurs, voici un lot de nègres de tout premier choix, fraîchement capturés sur les côtes africaines. Allons, allons, ne manquez pas cet arrivage de bois d'ébène exceptionnel. Ils sont en parfait état et ils multiplieront en un rien de temps la rentabilité de vos plantations. Approchez, approchez, mesdames et messieurs, n'ayez pas peur. Venez tâter la marchandise. Sentez comme ils sont beaux, jeunes et vigoureux. Allons, approchez, approchez. Ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont riches. Oh, les cons, mais... C'est une caméra cachée, c'est ça? Celui-ci est un peu gras.
qu'est-ce qui t'arrive, toi, espèce de PD, bah. Il est fou, lui, il me touche les couilles. Il a les dents du fond dans un sale état. Et sa mauvaise haleine n'est pas gage de qualité. Ça va, j'ai pas eu le temps de me... Mais taisez-vous, bon sang! Messieurs, il ne nous reste plus que de l'eau. Un bon mulâtre, parfait pour les tâches de maison, et un athlète. Bon, plus pour les travaux d'endurance. Allons, messieurs, un petit effort. Bon. Je vous fais ces deux nègres pour le prix d'un seul. À ce prix-là, c'est plus un investissement, c'est un cadeau. Messieurs, je sais que les temps sont durs, mais je serais navré d'avoir à m'en débarrasser. Deux nègres pour le prix d'un. Une fois. Deux nègres pour le prix d'un. Deux fois. Deux nègres pour le prix d'un. C'est bon, je vous les prends. Ah, merci, monsieur Jourdain, vous ne le regretterez pas. Merci, monsieur. Voici votre nouvelle demeure. Henri, voilà, de nouveau. Sans vouloir vous offenser, monsieur, il ne m'a pas l'air de première qualité. Oui, on va tout pas rien coûter. Allez, conduisez donc celui-là au champ qui commence le travail au plus vite. Je me charge d'amener le mulâtre aux cuisines. Trouvez-leur des habits corrects pour remplacer leur tenue de sauvage. Excusez-moi, monsieur, il y a un énorme malentendu. Je suis conseiller municipal. Quand un blanc te parle, tu ne réponds pas sans qu'il t'en donne autorisation. Tu baisses les yeux. Ta grosse bite. Pardon ? Qu'est-ce que je viens de te dire ? Baisse les yeux. Qu'est-ce que tu regardes ? C'est mon sexe que tu regardes comme ça. Et vous me dites de baisser les yeux. Ça suffit, monsieur Henri. Faut leur donner des noms. Toi, tu vas t'appeler Gaspard. Quant à toi, ça sera Gédéon. Oui, suis-moi, Gédéon. Allons ! Quoi ? C'est toi, Gédéon ? N'importe quoi, c'est toi, moi je suis Gaspard. Mais n'importe quoi, il a expliqué que c'était... Commence pas ici, de me prendre pour un imbécile. Comment tu t'appelles ? Gaspard. Mais non, c'est moi, Gaspard. Comment tu t'appelles ? Gédéon, je m'appelle Gédéon. Hé, hey, Gaspard, suis-moi aux cuisines. Viens. Répète ! Gédéon, je m'appelle Gédéon. Comment tu t'appelles ? Gédéon ! Eh bien, tu feras un bon nègre. Ta grosse bite. Eh bien, je lève mon verre à nos enfants et à leurs futures épousailles. À votre fille, mon futur beau-père. Il est beau, n'est-ce pas, maman ? Oh, il est exquis, ma fille. Thor, amenez donc votre sœur à table, je vous prie. Oui, père. Allez, avance. Oh, c'est bon. Isidore. Oui, monsieur Henri. Occupe-toi du nouveau. Je m'appelle Gédéon. Bien sûr, monsieur Henri. Tout de suite, monsieur Henri. Bonne journée, monsieur Henri. Allez, suis-moi, dépêche-toi.
Tu entends quand je te parle? Ne commence pas à faire ton nègre borné. Tu as eu de la chance d'être placé dans la maison du maître. Alors sois gentil si tu veux pas te retrouver dans le champ de canne sous le fouet de Monsieur Henri. On est où, là? Tu es stupide ou quoi? On est dans la maison de Maître Jourdain, en cuisine. Non! Ça n'existe plus, tout ça! Y a pas de maître, y a pas d'esclave! Je suis un citoyen français vivant dans une république française! Je suis conseiller municipal et j'ai épousé une femme blanche! Ne redis plus jamais de mensonges pareils si tu ne veux pas que le maître se fâche. Active-toi, négro. Je peux plus, là. Je... Bouge-toi! Ligament croisé. Ça m'avait déjà fait ça en 98 contre Fontenay. Finale départementale. Ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux. Au boulot, sale négro. Avec ta grosse... Racisme. Quoi? Me dites ça parce que je suis noir. Bah, évidemment. Père, pourrais-je apporter les restes de notre repas à nos esclaves? Louis Victor, je vous ai déjà dit plusieurs fois que je ne voulais pas vous voir traîner près du champ de canne. Et puis vous savez bien que les nègres n'ont pas la même alimentation que nous. En effet, monsieur Victor, tous ces mets sont trop raffinés pour des nègres. Ils ont besoin d'une nourriture simple, qui leur ressemble. D'ailleurs, méfiez-vous. À trop les approcher, c'est peut-être vous qu'ils finiraient par manger. Les nègres d'Afrique sont-ils vraiment cannibales? Ah, bien sûr. D'autant plus que si vous êtes perdu dans la brousse, il est bien difficile d'échapper à un nègre. Leur naseau très large. Leur confère un odorat bien supérieur au nôtre. Ils peuvent sentir votre présence à plusieurs lieues à la ronde. Ne devraient-ils pas commencer par se sentir eux-mêmes? Quel esprit! Se sentir eux-mêmes! Je préfère sucer la canne plutôt que de manger tous les jours leur sale bouillie. J'en peux plus. Allez, on y retourne! Et le pire, c'est que certains blancs font des enfants à ces négresses. Enfin, doit-on considérer ces sans-mêlés comme des hommes? Lorsqu'un cheval fornique avec un âne, cela n'a jamais donné un cheval, mais une mule. Un animal stupide et stérile. Oui, ah oui, ah oui. Et ce sexe gigantesque qu'ils ont. Certains voyageurs que j'ai pu côtoyer au cours de mes périples en territoire pygmé racontent que leur grand sexe leur sert à s'agripper aux branches, comme les opossums. Ah bon? À quelle époque étiez-vous en Afrique, mon père? J'ai bivouaqué sur le continent noir une grande partie de ma jeunesse. J'en suis revenu il y a 20 ans tout juste. En 1760. Oh mon Dieu, maman, mais quel imbécile! Excusez-moi, faut mettre du sel pour pas que ça tâche. Oh. Ne m'approchez pas avec vos rites vaudous! Alors, madame, soyons un peu chrétiens. Il vient d'arriver. Oh, une robe du dernier chic de Paris. Oh non, mais c'est nègre! Ils ont des pieds à la place des mains! Et des mains à la place des pieds. Comme tous les singes, madame. C'est pas possible! Mais comment on a fait pour arriver en plein Moyen-Âge? On
naissance. C'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais. 1780, Louis XVI. Tu veux pas chercher une solution à ce qui nous arrive au lieu de refaire l'histoire? Bon, allez. Tu vas où? Je me casse. Il est hors de question que je travaille du matin au soir pour me prendre des coups sur la gueule. Déjà les 35 heures, j'ai du mal, alors là... Et tu te casses où? T'as des amis, toi, en 1780? T'inquiète pas pour moi. Ils vont envoyer des hommes avec des chiens et des fusils pour te chercher. Tant qu'ils s'aperçoivent que j'ai tapé la fuite, je serai déjà loin. Façon Mesrine, frère. Bon, tu viens ou tu viens pas? Si on veut s'en sortir, faut rester unis. Tu viens ou tu viens pas? Pas le tringue. Que ça reste là avec ta mentalité d'esclave. Moi, je suis un bonhomme, pas un employé de mairie. Ah, ouvrez donc la fenêtre, cette puanteur de nègre est insoutenable. C'est monsieur Henri qui nous rend visite. Ah. Bonsoir monsieur Henri, vous savez comme j'ai les sinus fragiles. Certainement qu'à force d'être au contact de nos nègres, votre odeur s'est quelque peu épicée. Je vous rassure, son nez ne s'est pas encore épaté. Un peu de tenue, s'il vous plaît. Heureusement qu'il existe encore des hommes comme M. Henri capables de cohabiter avec nos nègres pour les tenir. Qu'est-ce qui vous amène? Juste pour vous signifier que la journée s'est bien passée. Je me demandais simplement si nous ne devrions pas enchaîner le nouveau Gédéon. Il m'a l'air assez sauvage. Mais c'est lui le temps de s'acclimater. Pour le moment, je fais confiance à votre dressage. Allez plutôt vous reposer et prendre un bon bain. Bon. Bonne nuit, monsieur Jourdain. Mesdames. Et ne vous trompez pas, n'allez pas dormir dans une case. Putain, c'est quoi ça? Reste derrière moi, c'est à pleurer dans la forêt. Je suis le gardien de mon frère. Pour ton information, sache que quand j'étais chez les scouts, j'étais juste le meilleur en parcours d'orientation. Alors tes trucs de banlieue, machin, hein. T'as fait des scouts? Scouts de France. Ah t'as fait, toi ah. Vraiment un gamin, quoi. T'as flippé, allez, ça va. Bon bah, bonne nuit. Bonne nuit. Allez, debout. Debout là-dedans. Et debout, bande de fainéants, c'est l'heure. Ferme ta gueule, il y en a qui dorment. Au commencement était Dieu, et Dieu est le commencement. Car tout ce qui vient du ciel et de la terre a été initié par la parole du Tout-Puissant. Amen. Amen. Suceur. Si un moment il foire la foi, c'est bien maintenant. C'est une parole sacrée à laquelle tu ne dois jamais cesser d'obéir. Toute chose a été faite par cette parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle est la vie et la vie est la lumière des hommes. Amen. Amen. Pas le tringle, t'as pas de fierté, toi. Tu as un problème, mon fils. Allahu
l'autre bord. La lumière. Lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Vous qui vivez dans les ténèbres, qui en avez la couleur, soyez de bons travailleurs, infatigables et soumis. Et alors, peut-être, serez-vous, vous aussi, touché par la lumière. Amen. 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 Mais mon père, Dieu a dit qu'il avait créé l'homme à son image. Alors pourquoi ne pas vivre tous ensemble sur un pied d'égalité ? Mais parce que c'est écrit là. Les Noirs obéiront aux Blancs, hein ? Hein ? Ah non, là, c'est écrit « Jésus était entré chez les pharisiens pour y prendre son repas ». Bon, allez, Dieu est amour, il vous aime tous. Allez, au travail. Vous avez entendu ? Au travail ! Allez. Alors, Isaac, quelles sont les nouvelles ? Oh, rien d'intéressant, monsieur. Toujours cette crise de la canne à sucre qui ne finit pas d'alimenter les conversations. Vous avez pu vous procurer tout ce que je vous avais demandé. Je crois bien, monsieur. Du parfum pour votre fille et quelques tonneaux de bon vin pour la noce. Ne me dites pas que vous avez oublié le tissu. Ma femme n'arrête pas de m'empoisonner la vie avec ça. Ça m'est complètement sorti de la tête. Isaac. Vous inquiétez pas, monsieur. Je repasserai sans faute dans deux jours. En tout cas, pour le vin et le parfum, ça fera 50 écus. Merci. N'oubliez pas mon tissu. Sans faute, monsieur Jourdain. Au revoir, Isaac. 50. Seul juif. À dans deux jours, monsieur Jourdain. Mais t'es passé où, toi? C'est bon, c'est en train de me laver. On peut arriver deux minutes en retard, non? Non, mais tu te prends pour qui, Nero? Vas-y, passe-moi ton cutter, je vais le couper ton sang à la con, là. Mon frère commence à me saouler avec son esclavage. Excusez-le, monsieur Henri, c'est un mauvais nègre. Et encore, c'est ça l'habitude d'Africain. T'emmerdes, l'Africain! Compte sur moi pour t'apprendre les bonnes manières. Ta grosse bite. J'ai toujours été un bon maître avec vous. J'ai toujours dit que je ne tolérerais pas sur ces plantations des esclaves qui manquent de respect à un homme blanc. Que ceci vous serve de leçon à tous. Monsieur Henri. Où en sont les préparatifs de la noce, mère? Eh bien, ma fille, la fête de votre mariage devrait être particulièrement réussie. Nous avons fait venir du vin de France et des musiciens. Si vous saviez comme j'ai hâte. Liberté! Égalité! Nique ta mère! Isidore, Rosalie, détachez-le. Liberté, égalité, fraternité. Fraternité. Et entre, Gaspard, n'aie crainte.
faim, soif. Merci. Je vois que tu vas mieux. Comment se passe la deuxième journée à la plantation? Bien. Ce qu'il paraît, tu le sais lire. Oui, effectivement. Tiens, et ça. Le Code noir, article 3. Interdisons tout exercice public d'autres religions que de la catholique, apostolique et romaine. Je sais que, excepté ce qui concerne notre religion, l'instruction des esclaves est mal vue aux Antilles. Oui, mais je lis pas parfaitement, je déchiffre à peine. Ne fatigue pas. Monsieur le curé m'a tout raconté. Oui, mais je suis pas le seul à savoir lire. Gédéon aussi, il sait. Enfin, je crois. N'aie pas peur. C'est très rare de voir un nègre instruit. C'est qu'il y a même des blancs qui ne savent pas lire. Tu es un nègre plus futé que les autres, et alors c'est normal. C'est ta partie blanche qui te rend plus intelligent. Merci. Ça te dirait d'avoir des esclaves sous ta responsabilité? Je sais pas, c'est-à-dire que... Dormir dans la grange, avec de la bonne paille. Ça brûle? Non, ça va. C'est drôle. Habituellement, les esclaves africains sont un peu plus robustes que toi. Ça veut dire quoi, ça? Je dis simplement que tu n'as pas l'air très dégourdi. Je vois bien que, dans ton pays, tu n'as pas dû beaucoup travailler la terre. Tu dois même venir d'une famille riche. Moi, c'est pas où j'ai grandi. Ah! Fais doucement! Ta peau est douce. Et tes mains ne sont pas abîmées comme celles des autres esclaves. Qu'est-ce que tu fais? Bah quoi? T'es là, je suis là, on se met bien. T'as un cum, c'est ça? Quoi? Je veux dire, t'es avec quelqu'un, hein, ici? Non. Il y a bien quelqu'un qui te plaît dans la plantation. Il y a bien Isidore. Oui, mais je sais qu'un homme comme lui ne s'intéressera jamais à une femme comme moi. Il sait tellement de choses. Il parle bien. Et puis il est fort, il est intelligent. C'est bon, on a compris. Mais ne le prends pas comme ça. Et comment on fait pour séduire une meuf ici? Y'a pas de cinéma? Pas de cave? Je comprends pas tout ce que tu me dis. Repose-toi bien, Gédéon. Vous auriez dû faire fouetter ce Gaspard, monsieur. Il m'a humilié. Devant les autres esclaves, en plus. Mon père, calmez-vous. J'ai besoin d'un suppléant. Monsieur Henri ne peut pas être partout. Méfiez-vous, monsieur. Un nègre instruit est un nègre dangereux. Il pourrait contaminer les autres, les pousser à la révolte. Ah, moi, j'ai déjà vu ça dans une plantation de caoutchouc au Tanganyika. T'inquiétez pas pour ça. En lui offrant ce poste, nous l'avons rendu parfaitement inoffensif. Qu'est-ce qu'un nègre, aussi futé soit-il, pourrait espérer en ce bas-monde si ce n'est un peu de pouvoir sur les siens? Allez, debout là-dedans! Debout! Lève-toi, espèce de feignasse! T'es con quoi? T'es sous mes ordres aujourd'hui. C'est Monsieur Jourdain qui l'a dit. Alors bouge-toi un peu! Vas-y, t'es relou avec tes conneries là. Laisse-moi dormir. Ah! Mais c'est mon son pour pisser! C'est nègre. Bon, dépêchez-vous! Monsieur Jourdain m'a confié la réparation du pont. Alors faites-le sérieusement. Excuse-moi, je peux te parler deux secondes, là? Bah, fais vite, on a du travail. T'es sérieux, là? Ce que t'as oublié, c'est pas notre vie, ici. J'y pense chaque seconde, figure-toi.
Mais t'as trouvé une solution pour rentrer chez nous? Non. Alors en attendant, autant se faire bien voir si on veut vite prendre des coups. Ah ouais. En fait, les GQD blancs, c'est une stratégie. Ah, évidemment. Bien vu, mon frère. Allez, mets-toi au travail. J'ai des ronds. Et toi, mets-toi au travail. Baisse les yeux quand je te parle. Salut, collègue. Écoute-moi bien, négro. Écoute-moi bien ce que je vais te dire. C'est pas la taille qui compte. T'as compris? T'as compris? C'est pas la taille qui compte. Ciel, ritournelle, pluie, ennui. Je regarde le ciel et n'y vois que la pluie. Voici là la ritournelle de mon profond ennui. Oh, bravo. Oh, bravo. Bravo. Merci. Oh, bravo, hein. Bravo. Merci. Bravo. Ah. Je viens vous faire mon compte-rendu, monsieur Jourdain. Mon compte-rendu? Oui. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Même si j'ai eu quelques soucis avec Gédéon, vous connaissez les nègres. Dès qu'on a le dos tourné... C'est moi qui réparais le pont tout seul. C'est bien, Gaspard. C'est bien. Merci, monsieur Jourdain. Alors, pain, matin, cœur, bonheur. L'odeur de ce bon pain me remplit de bonheur. Oh, oh, oh. Oui. Debout de bon matin, promesse d'un grand cœur. Quelle poésie, c'est merveilleux. C'est le domestique. J'avais oublié de vous prévenir. Gaspard est un nègre savant. Il sait lire. Il sait lire. Voilà qui est étonnant. Sait-il aussi jouer du piano? Le soleil dort, de l'or intelligent, le soleil dort. La même couleur aux gens, la même couleur aux gens, gentiment. Attendez pour sortir de là, vous deux. Monsieur Victor, vous n'auriez pas vu Gaspard et Gédéon ? Descendez! Allez, sortez!
quand vous saviez qu'on était là? Je vous ai entendu ronfler pendant tout le trajet. Je vous en supplie, ne nous ramenez pas à la plantation. Vous avez soif? Retrouvez-les-moi et ramenez-les-moi en bon état. Je viens les acheter, j'en ai besoin comme travailleur valide. Bien sûr, monsieur Jourdain. J'ai dit en bon état. Je connais vos méthodes. Je vous préviens que si vous ne me les ramenez pas entiers, je ne vous paierai pas le reste de ce que je vous dois. Ne vous inquiétez pas, monsieur Jourdain. Vous m'aviez déjà dit ça la dernière fois qu'un de mes esclaves s'était échappé. Vous l'avez rendu sans pied. C'était un accident, monsieur Jourdain. Et ça, oui. Et ça. Pourquoi vous faites tout ça pour nous? Pourquoi? Parce que je suis juif. Vous savez comment les chrétiens nous appellent, nous les juifs? Les nègres d'Europe. Nos deux peuples ont vécu les mêmes souffrances. Merci en tout cas. Vous avez beau avoir souffert, ça vous empêche pas de faire la même chose en Palestine. Quoi, la Palestine? Mais t'es con quoi? Comment veux-tu qu'ils soient au courant? Qu'est-ce qui se passe en Palestine? Laissez tomber, c'est un débat sans fin, autant pas le commencer maintenant. En tout cas, il faut qu'on se serre les coudes. Il y a deux peuples qui ont souffert en permanence à travers l'histoire. Les Juifs et ensuite les Noirs. Vous voulez dire les Noirs et ensuite les Juifs? Ah non, on a quand même plus souffert que vous. Je suis désolé, mais l'esclavage, c'est la plus grande souffrance du siècle. Quoi? On est les premiers à avoir subi l'esclavage de masse en Égypte, jusqu'à ce que Moïse nous libère. Ensuite, ça a été l'Inquisition. C'est nous, les numéros un de la souffrance. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous laisser dire ça, ça va. Comment ça? Vous ne pouvez pas me laisser dire ça. Attendez, je crois que les esprits s'échauffent. À mon avis, je pense que vous avez tous les deux raison. Maintenant, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, enfin, de votre aujourd'hui, nous, c'est un peu compliqué, mais je pense quand même que les Noirs ont plus souffert. Merci. Je ne suis pas d'accord. Enfin, après, avec Adolf Hitler, tout ça, on pourra en reparler. Mais bon, c'est... C'est qui ça, Adolphe? Un petit moustachu. Avec une raie sur le côté. Les chasseurs d'esclaves. Et vite, filez par derrière. Merci, Isaac. Merci de t'avoir collaboré. C'est normal, non? Méfiez-vous quand même. Adolphe. Tes insultes toutes pourries là. Bah quoi, c'est les insultes? Pourquoi t'as pas le brevet des collèges? Nique l'éducation nationale! Nique le restaurant! Nique le collège de Paris! Nique Madame Duchesne! C'est qui Madame Duchesne? Ma prof de français. Descendez! Ah. Bonjour.
bonjour. Je suis pas sûr que ça veut dire bonjour. Ah bon? C'est du peul. Ça doit être des Sénégalais. Djinnah Danedjo, ça veut dire diable blanc. Mais pourquoi il dit ça? On est tous dans la même galère. Tu es un mulâtre. Au pays des blancs, tu es un noir. En Afrique, tu es un blanc. Ces mêmes blancs qui nous ont fait faire cette terrible traversée. Et comment on dit je suis des vôtres dans votre langage? Nen Gandhi. Nen Gandhi! Inédamejo. Approchez, approchez, mesdames et messieurs, venez les observer de près. Ils multiplieront en un rien de temps la rentabilité de vos plantations. Voyons, approchez, voyez comme ils sont jeunes et vigoureux. Oh. On va s'arrêter un peu. Ça fait un moment qu'on marche. Les bêtes sont fatiguées. Assis. Oh, on leur coupe les pieds. Ça suffit. Tu m'avais promis. T'as entendu ce qu'a dit Monsieur Jourdain? Ils nous payent pas si on les ramène pas entiers. Je vais essayer de dégoter quelque chose à manger. Alors t'ouvres l'œil et tu restes tranquille. Allez, les chiens. Allez. Negmaron, est-ce que vous êtes là? Ouais! Ouais! Negmaron, est-ce que vous êtes avec moi? Ouais! Ouais! Nous sommes les Negmaron! Nous avons brisé nos chaînes d'esclaves! Nous avons fui nos plantations pour devenir des hommes libres! Ouais! Ouais! Nous accueillons aujourd'hui deux nouveaux frères. Comme nous, ils ont brisé leurs chaînes d'esclaves. Negmaron! 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 Quel est ton nom, frère? Joël! Non! Gédéon? Non! Ce sont des noms d'esclaves! Tu t'appelleras Polydor! 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 Et toi, tu t'appelleras Jean Moulin! Appelez-moi Jean Moulin. Jean Moulin! Jean Moulin! Jean Moulin! Negmaron, est-ce que vous êtes prêt à vous battre pour libérer tous nos frères? Ouais! Ouais! Negmaron, est-ce que vous êtes prêt à vous battre jusqu'à la mort? Ouais! Ouais! Est-ce que vous êtes prêt à vous battre pour la race noire? Ouais! Ouais! Est-ce que vous êtes prêt à massacrer tous les blancs? Non! Ouais! Faut pas exagérer non plus. On peut juste les embêter un peu. Quelques claques. Ah! 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 Oh! La vieille tante? Je te fous l'œil. Vous en avez mis du temps à venir.
C'est toi qui nous envoyais ici. Espèce de sorcier. Calme-toi, Régis. Régis, calme-toi, Régis. Régis. Je t'aime. Je vais te tuer. Régis. Non, tu es Régis. Merde. Calme-toi. Vous êtes les rentrés, beau, quand ils sortent. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est rien, moi. Je croyais que tu parlais créole. Oui, mais ça, c'est du créole littéraire. Moi, je parle plus le créole de la rue. Bon, tu parles ou tu parles pas? Si. Je sais dire des mots genre mon coq a fait moi mal, doudou fait moi l'or. Vous voulez rentrer chez vous? Ouais. Alors, votre sort est entre vos mains. Vous avez été arrachés à votre monde, à vos familles, vendus comme du bétail. Vous avez coupé la canne, senti la brûlure du fouet. Vous avez été traqués comme des bêtes sauvages. À présent, fils, est-ce que vous avez compris? Compris quoi? Évidemment qu'on a compris, le fouet, le bétail. Bon, comment on fait pour rentrer chez nous maintenant? Si vous avez compris, retournez voir vos ancêtres. Nos ancêtres? Isidore et Rosalie. Réparez l'erreur et fumez la pipe. Alors seulement, vous rentrerez chez vous. Isidore et Rosalie sont nos ancêtres? Impossible. Qu'est-ce que vous voulez dire par réparer l'erreur? Impossible, je te dis. Isidore peut pas être notre ancêtre, c'est un gros PD. Tais-toi, laisse-la parler. Puisque je te dis que c'est une fiotte, j'ai même la preuve. Écoute, j'ai d'autres soucis à régler que tes problèmes de sexualité. Ah, tu dis jamais que c'est des problèmes de sexualité, ok? J'ai niqué plus de meufs que toi. Ouais, ouais. 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 Jamais. Ça, c'est... Elle est où, cette folle? Peut-être que ça te dérange pas, toi, d'avoir un ancêtre PD, mais moi, je trouve ça grave. Ça se trouve, c'est héréditaire, cette connerie, en plus. Mais tu me fatigues avec ça! D'abord, si Isidore était complètement gay, ce serait pas notre ancêtre. Ah ouais? Ah ouais. Et ça? Et ça, c'est quoi? Ça voudrait dire que la vieille tante nous a menti. Qu'Isidore est pas notre ancêtre. Ou alors que c'est ça l'erreur à réparer. C'est-à-dire? Ben un PD. Ça n'a pas de descendance, quoi. On doit réparer l'erreur pour exister dans le futur. Tu crois? Mais bien sûr, c'est évident. On nous a envoyés ici pour aider nos ancêtres à se reproduire. Alors il faut y aller. Il faut réparer l'erreur. Comment on justifie notre absence? On va se faire fouetter. T'inquiète pas. Les négociations, c'est mon domaine. Je te rappelle que je suis conseiller municipal. Bien le négociateur. À quoi? On se fait pas fouetter? Maintenant, on s'occupe d'Isidore et Rosalie, on rentre chez nous. Mais là, ça serait quand même bien tapé, moi, la Rosalie. Mais t'es con, quoi. C'est ton ancêtre. C'est comme si tu couchais avec notre grand-mère. Ouais, mais là, elle est pas vieille. Mais ça change rien. Je parie que tu sois mon frère et mon arrière-arrière-grand-père en même temps. On est des Antillais, pas des ch'tis. Ah, t'es Antillais, toi, maintenant. T'es plus normand. Excusez-moi, vous n'aurez pas vu Rosalie? Je suis fou, là, toi. Allez, file. T'as rien à faire ici. Ça fait mal? Bah évidemment que ça fait mal. Mon père, je déteste. T'as raison, ton père, c'est un gros bâtard. Tais-toi! Faut pas dire des choses comme ça. Pourquoi il vous fait ça? Parce que c'est un gros bâtard, je te dis. Mais la ferme! Parce que c'est comme ça, c'est tout. Et t'inquiète pas, les choses vont changer dans un avenir proche. Et t'es l'avenir de ce pays. Bientôt, ce sera la Révolution française.
Les hommes naîtront libres et grands droits, quelle que soit leur couleur et leur religion. Et vont couper la tête à tout le monde. La France sera le berceau de la démocratie. De la collaboration. Des droits de l'homme. De la colonisation. Du suffrage universel. De la guerre d'Algérie. Des ascédiques. Comment vous savez tout ça ? Je lève mon verre aux mariés. Que cette union soit fertile et pleine de bonheur. La monarchie absolue sera abolie. Les enfants, quelle imagination! La France sera une démocratie où les représentants seront élus par le peuple au suffrage universel. Fera-t-on aussi voter les nègres et les animaux de la basse-cour? Il n'y aura plus d'esclaves ni de nègres. Un jour, un noir sera président de la première puissance mondiale. Bravo! Victor, cessez de dire des bêtises et de vous donner un spectacle. Montez dans votre chambre. Mais père... J'ai dit dans votre chambre. Merci, monsieur Jourdain. Cet enfant, ouais. Allez, allez. Allez, c'est pas ici que ça se passe. Allez, qui n'a pas eu son verre de rhum, là. Allez, du rhum pour tout le monde. Ah, merci, je suis musulman. Oh, et puis merde. Allez, allez. Merci. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de viande. Qu'est-ce que c'est ? Du lynx sauvage. D'aujourd'hui sont de plus en plus obscènes. Tu remontes et tu frottes. Tu frottes. Donc tu descends, voilà. Et tu remontes, voilà. Ça s'appelle le zouk là. T'en peux plus, Gaspard. Ah non, tu me lâches pas maintenant. J'en peux plus. Allez, je t'accompagne, dernier verre. Cul sec. Allez. Allez, allez, allez. Cul sec, cul sec. Tu m'as manqué, j'ai dit. Ah bon ? Embrasse-moi. Tu veux plus m'embrasser ? Embrasse-moi, je t'en supplie. Je te fais plus, c'est ça ? Non, embrasse-moi, s'il te plaît, je fais pas de capote. Allez, laisse-toi faire. Oh, mamie. Rosalie, t'as jamais eu envie de... Zaï, j'ai vu grandir. Comme une petite sœur pour moi. Oh, tes conneries. Regarde comment elle bouge. Oh, allez, c'est bon, ça suffit maintenant. Je jure, j'ai rien fait. Attends, Gaspard, on s'amuse. Je vous prie de m'excuser. Non, c'est pas, monsieur Henri. Non. Vos nègres vous manquent déjà. Après tout, vous n'êtes pas un homme fait pour l'opulence. Permettez. Je
pourquoi c'est moi qui m'occupe d'Isidore. Je te fais plus confiance avec grand-mère. Allez, vas-y. Non, je te jure, je peux pas. Vas-y, on n'a pas le choix. Mais je peux pas. Mais pense à autre chose. C'est qui ton chanteur de rap préféré? Snoop Doggy Dogg. Bah, pense à Snoop Doggy Brug. C'est bon, descends-le. Ne touche pas! Allez, on y va. Allez. Allez, ok. Ok, c'est bon. Allez. Mais arrête de me regarder dans les yeux! Mais je te regarde pas! Fort. Je respire, ça va. On va rentrer chez nous. On va rentrer chez nous. Mais qu'est-ce que tu fais? On va peut-être pas s'en aller comme ça. Que se passe-t-il? Vous m'embrassez comme dans un rêve, mon cher mari. C'est un nègre. T'es jalouse, toi? Ça sent pas bon. Tu sens, toi? Non. Utilise tes naseaux.
Ça, c'est pour les opossums. Ça suffit maintenant! Avec vos grosses bites! Hasta la vista, baby! Aide-moi ça. Enfermez-les. On les pendra à l'aube. C'est bon, sois un homme. Je veux pas crever ici. Arrête de pleurer. Ils vont faire ton petit blanc. C'est bon, tu me fatigues à la fin. Des clichés qui voudraient qu'il y ait un comportement spécifique pour les blancs, un autre pour les noirs, tu peux te les garder. Moi, quand j'étais en Normandie, ma mère m'a mis dans une école privée. Et tous les ans, j'étais le seul élève basané de la classe. Et je devais supporter des surnoms à la con, Babacar, Blanche-Neige. Et on me mettait la main dans les cheveux parce qu'on trouvait ça doux. J'ai pas fait selon ma couleur. J'ai fait selon l'endroit où je vivais. Ça s'appelle l'intégration. C'est facile pour toi de dire ça. Toi, t'as eu la belle vie. T'as toujours eu tout ce que tu voulais. Moi, j'aurais une vie de merde jusqu'au bout. C'est pas ça, c'est pas vrai. Si. Moi aussi, j'aurais aimé jouer au piano. Aller au scout. Avoir un job comme toi. Une famille unique, être respectée. Je vais aller, petit frère. Avant de partir, je voulais te dire quelque chose. Je t'ai menti. Je suis pas chef d'entreprise. Je suis chez ma mère et je sors de prison. Je sors de prison parce que j'ai volé le sac d'une vieille. C'est bon, je suis là maintenant, je suis là. Et je voulais te dire une dernière chose que j'ai jamais dite à personne avant que tout soit fini. Dis-moi tout, mon frère, je t'aime. En prison, je me sentais tellement seul. Un soir, avec mon compte détenu, ça a dérapé. Mais c'était juste quelques caresses. Mais il n'y a pas eu de pénétration. Bonjour, messieurs. C'est l'heure de retourner vous balancer aux branches. Aujourd'hui n'est pas une belle journée pour la plantation, Jourdain. Mais Dieu m'en soit témoin. Je n'ai eu de cesse d'avertir ces deux nègres. Leurs agissements intolérables ne me laissent d'autre choix que de les condamner à la pendaison. Monsieur Henry.
Merci. Allez-vous-en. 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 Attendez, on vient de sauver votre fille. Tais-toi. Victor, mon fils unique, que monsieur le curé conduira dès aujourd'hui en pension, m'a demandé de vous affranchir tous les deux. Vous êtes libre. Yeah! Voici vos actes d'affranchissement. Merci. Mais j'aimerais vous demander une faveur. Je voudrais qu'Isidore soit affranchi à ma place. De ton coup, là. Isidore, il a une vie à construire ici. Notre liberté, c'est de rentrer chez nous. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? T'inquiète pas pour moi. T'attends pas Isidore? Oh. Oh, je vais y aller. Bon, bah. Salut. Joël! Suis-je le gardien de mon frère? Je comprends rien, Sénaïr. Les deux jours, ils s'enfuient, hier, ils reviennent. Aujourd'hui, je leur propose la liberté, ils me demandent d'affranchir deux autres esclaves à leur place. C'est pas si étonnant que ça. Le déracinement de ces sauvages a souvent des effets contrariants sur leur comportement. Tenez, lorsque j'étais au Congo... Oh, ça va bien, curé.
Tout le monde sait que vous n'avez jamais mis les pieds en Afrique. Merci. Je me suis réveillé dans la grange ce matin. Rosalie était à côté de moi. Tu vois ce que je veux dire? Je suis content pour nous. Enfin, pour vous. Allez. Gaspard et Gédéon. Vous avez voulu rester, vous allez vous remettre au travail. Je vais vous faire payer ça, moi. Voilà, c'est un CDD pour une période d'essai de 2 mois. Et c'est payé que ça, là ? Bah, c'est le SMIC, hein. Bienvenue chez nous. Fort de neuf. Salut, mon petit Régis. Alors, ces Antilles. Ça a été, je vous remercie. Ça va, et ils étaient à l'heure pour l'enterrement. Ben quoi, c'est une blague. T'as laissé ton sens de l'humour là-bas ou quoi? Non, c'est juste que sortant de ta bouche, je trouve pas ça très drôle. Comment ça, tu me tutoies maintenant? Bah, tu me tutoies, je te tutoie. Je suis pas ton nègre, je suis pas ton larbin, ok? Mais qu'est-ce qui vous arrive, Régis? Tiens, je vais te montrer quelque chose. Tu vas me montrer quoi? Oh putain! Alors à partir de maintenant, il va falloir apprendre à me respecter, ok? Sur ce bon week-end. Ça dure aussi longtemps. Bon, bah, à la famille. À la famille. Ah, oh, faites-moi du bruit, les enfants. Voilà, la prochaine fois, on y va tous ensemble, aux Antilles. C'est pas pressé non plus. Papa, elle a déchiré le papier qui était sur la commode. Même pas vrai, c'est toi. Yo cumme pour liberté. Ah
faut bien garder d'où vent. Mais d'ailleurs, on y en message tout en l'héritage pour bas aux fosses.